c'est compliqué de parler de ce territoire, de ce terroir. En réalité, il y a plusieurs terroirs entre les différentes couches d'altitude. La plaine d'Ambert n'a rien à voir avec les hauteurs des Hautes-Chaumes. Nous, on a la chance d'avoir quand même quelques hectares qui sont sur les hauteurs d'Ambert, qui nous permettent peut-être de garder des vaches dehors toute l'année, alors que par ici, au Perrier, et encore moins sur les Hautes-Chaumes, c'est totalement inenvisageable. Ces montagnes peuvent apparaître comme étant des montagnes à vaches, un peu... faciles d'accès, elles ne le sont pas du tout. On est vraiment en haute montagne avec des conditions climatiques qui se rapprochent de celles qu'on peut trouver dans les Alpes quand on atteint les 2000-2500 mètres d'altitude. En fait, on se rend compte qu'on est sur des espaces très rudes qui ont façonné sans doute les savoir-faire locaux. Les fromages locaux sont liés à ce savoir-faire. On a la fourme qui est effectivement un fromage un peu brutal d'aspect et puis qui sait aussi dévoiler un cœur plus crémeux, plus tendre quand on l'ouvre. Après, je ne voudrais pas qu'on ait l'impression que je ne décris que la rudesse, de la dureté, etc. C'est aussi un paysage absolument magnifique. Il y a aussi, par les petits matins clairs, quand on termine la traite à 6h30, 7h du matin, une vue sur les Alpes. On voit le Mont Blanc très net. Et puis, les Hautes-Chaumes sont un espace à part. Quand on essaye de le comparer avec d'autres espaces, on oscille entre les landes de l'Écosse, les prairies, les gazons de la Mongolie. C'est une ferme qui est à vocation d'élevage, puisque nous avons deux troupeaux, un troupeau de vaches abondance pour la production laitière et un troupeau de vaches salaires pour la production de viande. Donc avec la production de lait, nous produisons du fromage. Tout est transformé sur place sur l'exploitation et tout est vendu en direct. Deux types de fromage essentiellement, une fourme d'Ambert fermière AOP et puis une tome de montagne. Alors, forcément, la production de fourme d'Ambert a évolué en une douzaine d'années. Au démarrage, de toute façon, on n'avait pas forcément imaginé pouvoir intégrer l'appellation d'origine protégée. Donc, on a commencé sur un produit de pays, enfin quelque chose d'un peu banal. Maintenant, il y a le cas, on revient dans une heure. Et ensuite, j'ai voulu... améliorer, approfondir, rendre plus technique ma fabrication. Du coup, je suis beaucoup allé voir les anciennes par ici en faisant des allers-retours pour savoir comment elles faisaient, leur faire goûter ma production, savoir si ça correspondait à ce qu'elles estimaient être un bon produit, etc. Et puis, j'ai surtout été très très attentif aux demandes de la clientèle qui voulait quelque chose de plutôt doux, mais avec du caractère quand même, et surtout de crémeux, de pas forcément très bleu, mais au moins onctueux, gras, etc. Je propose aux gens qui sont au gîte de venir assister à une fabrication. À chaque fois, ils sont sidérés du changement de consistance, de la rapidité de consistance. En fait. Donc là, en fait, moi, je voulais percer celle-là. En AOP, je suis le seul à percer comme ça à la main. Ben, ça a un avantage, c'est que je perce légèrement en biais. Donc du coup, quand on coupe horizontalement, on ne tombe pas sur les traces d'aiguilles. Ça fait des jolis damiers des fois, mais bon, c'est pas l'objectif. Elles vont être très bleues, celles-là, je pense. Elles ont beaucoup d'ouverture. Elles sont un peu sèches.
J'ai toujours eu la fibre agricole. Petit, j'ai passé toute mon enfance dans des fermes à côté de la maison de vacances, qui était pas très loin d'ici, en fait, à la Chaise-Dieu. Et pour de la Chaise-Dieu, en fait, on a une vue magnifique sur ces montagnes des Hauts-de-Chaumes, sur Pierre-sur-Haute, etc. Et du coup, c'était un endroit qui, pour moi, était assez magique, où j'étais venu en randonnée. Et je m'étais toujours dit que si un jour mon rêve se réalisait et que je devenais agriculteur, eh bien, ce serait de venir à proximité de Pierre-sur-Haute, de ces montagnes des Hauts-de-Chaumes, de fabriquer de la fourme et de monter en estive. Donc j'ai prospecté dans cette zone et j'ai eu la chance de trouver cette maison, cet endroit et de construire la ferme qui va autour.